Bonjour. Bonjour Mikaouna. Bonjour, bonjour Wenzel Derzel. Bonjour Gaillette. Bonjour Jérémy Perrin. Bonjour Gordolixos. C'est ça le projet secret. Bonjour Jonagored. Et la cigarette. Bonjour Psycho75FR. Et oui, on peut dire joyeux anniversaire. C'est l'anniversaire de la chaîne. À peu près, à un jour près. Une émission de discussion. Club discussion. Oui, je vous fais un peu attendre. Je voulais être sûr que tout le monde soit là pour faire le reveal du secret. Oh, jeune Agorette, vous en faites pas. Et je parle tout seul, c'est la loi de Twitch, Wenzel C'est vrai que je pourrais faire un. Si vous étiez sur le Discord, vous pouvez parfois vous inviter. Oh, c'est tout un bordel à faire d'inviter des gens sur Discord, de régler leur son et tout. Pouf. Non, le projet secret, c'est. Ça reste quand même dans le thème de la chaîne. Le Discord de Zolotrex, c'est vrai que je l'ai envoyé rarement le lien. En plus, je crois que là, je peux pas me connecter à mon compte, j'ai plus le code, faut que j'aille le chercher. Je vous le renverrai plus tard si vous voulez. Vous êtes prêts à tout. Ouais, mais moi je ne suis pas du tout mon Discord là. Attention, je l'avais créé au moment où Mikaouna avait dû parler de Secret Story. Je m'en sers à peine. J'avais simplement envoyé le fond d'écran pour les 100 jeux, pour fêter les 100 jeux que Jérémy Perrin et Mikaouna avaient récupéré, je crois. Bon, on fait le reveal. À votre avis, qu'est-ce que c'est le secret? À quoi qu'on joue? Le reveal. C'est parti. Oh, j'ai un peu le trac. Les jeux de cul de Pont-à-Marc. Vous avez adopté. Sorbier de retour. Sur Switch. Alors, oui, je vise la Switch. Avec ce jeu. Je vise la Switch et le PC pour le moment. Qui a joué à Sorbier dans le chat? Premier. Bonjour Monsieur Exos. Vous avez raté le moment du reveal. Dommage. Vous l'avez fini. Top mondial. Dites-moi que je rêve. Vous avez fait 2-3 trucs dessus, Gordolexos? Ah, ça me dit quelque chose. Pincez-moi, Jérémy Perrin. Monsieur Exo s'en profite, évidemment. Je crois, Jérémy Perrin, que vous êtes l'un des premiers à avoir fini, parce que vous l'aviez terminé ultra vite. Je me souviens, le soir même, vous étiez arrivé à la fin. Vous l'aviez défoncé. Un de vos jeux préférés de tous les temps. Bah, c'est gentil.
Vous y avez joué, Monsieur Exos? On sait que vous étiez sur Android et que vous pouviez pas. Ah bah c'est cool alors. Est-ce qu'on commence? Alors je vous préviens, il n'y aura aucun son. Ce n'est qu'un début. C'est vraiment qu'un début. J'ai travaillé dessus 2 semaines seulement, pour le moment. Mais je crois qu'avec ce que j'ai réussi à produire, on peut être assez confiant. Il n'y a peut-être rien d'autre que ce doigt. Eh bien non, vous allez voir. Comme le splash de Metroid Prime 4. Oh, j'ai jamais joué. Il n'est pas sorti le 4. Ça va être génial. Attendez, hein, ça se trouve, vous allez être déçus. Bon. Je vais commencer. Regardez bien l'écran maintenant. Je vous ai bien eu. C'est pas du tout Zorbier. Eh oui. C'est le jeu Eclipse the Cat. Mais ça a du sens de dire que c'est Zorbier 2. Je vous expliquerai plus tard. On va commencer à voir ce que j'ai fait. Donc voilà, nous avons Eclipse qui est là, qui peut s'accroupir et marcher. Oh, j'ai viré la hache. Ah bah oui. Aux oubliettes, Zorbier. Donc nous avons Eclipse qui peut monter des pentes. Ça, c'est un truc dans les jeux de plateforme, réussir à avoir des pentes, c'est un truc assez relou. Je vais vous dire tout de suite tous les trucs que je suis hyper content d'avoir dans le jeu. C'est MGS2 à nouveau. Les fans vont aller. C'est exactement ça, je me suis rendu compte. J'ai rajouté en fait la hache et tout ça hier soir. Je me suis dit, ah, je vais me prendre des remarques. On va me prendre pour. On peut ramasser des bonbons. Alors les bonbons, ça changera peut-être. Je me suis dit peut-être qu'il faudrait mieux que ce soit des croquettes. Il peut monter des pentes. Oh, zut, pardon, Enzelderzel. Alors attendez, vous allez. Tire en cloche? Attendez, alors, je vous explique le niveau qu'on va voir. J'ai juste fait un parcours du combattant pour le moment, avec toutes les features que j'ai développées. Donc les mouvements de base du héros, machin, la course, le saut, voilà. Bon, épique. Alors ce qu'il y a de cool, c'est que les impacts fonctionnent, comme vous voyez. Je viens de me prendre des pics. J'ai 2 cœurs pour démarrer le jeu. Je peux avoir des sortes de. Life Max Up, un peu à la Castlevania, qui fait que maintenant j'en ai 3, ce qui est cool. Ça, c'est des trucs qui sont pas encore sauvegardés, mais qui seront sauvegardés plus tard. Ramasser des bonbons. Alors oui, bien sûr, voilà. Oh, il y a des passages que je ne peux pas prendre, comme dans un Castlevania, car je ne peux pas encore ramper. Bon, eh bien, je vais prendre le bonus qui est là, qui est pour le moment juste une petite boule. Je peux descendre des plateformes, etc. Alors attendez, je vous lis. Il est super Mims. Ah bah merci. Il est pas, il est, c'est vrai qu'il est un peu moins, il est un peu plus tenu que la version de la chaîne. S'il n'y a pas de tir en cloche, ça va être la déception, je crois, hein. En fait, j'aurais pas pu faire Zorbier 2 sans en parler à Gordolexos. Donc je peux ramper. J'ai acquis la compétence ramper, qui est déjà pas mal. Et je suis coincé par des murs. Donc on va aller chercher cette nouvelle compétence, qui est la compétence coup de poing, de taper.
Il peut ramper comme un bébé. Mais oui. C'est vrai que j'aurais peut-être dû faire une anime un peu plus bébé. Vous en faites pas, il y aura des bébés dans ce jeu, monsieur Exos. Le point Alex Kidd, merci, c'est exactement la référence. Et je viens de récupérer du coup une balle de baseball. Comme vous voyez, j'ai 10 balles de baseball en haut. J'ai tenu à mettre une limite dans les balles de baseball. Qu'on en ait un compte, parce que c'est une mécanique un peu relou des jeux auxquels on joue souvent, c'est quand il n'y a pas de tir infini. Je me suis dit, est-ce qu'on peut faire un bon truc avec des tirs infinis? On va tirer la balle de baseball. Tire en cloche. J'espère qu'on croisera Rabizoudouk. Comme Snake là, exactement. Donc tire en cloche. Les skills pour monter sur les murs. Attendez. Vous avez déjà. Vous mettez la chaleur à la main. Donc tire en cloche devant moi, en diagonale, vers le haut. Tire en cloche un peu maîtrisé, quoi. Donc je pète des murs. J'ai système de blocs un peu générique. Donc j'ai des murs explosifs, un peu comme c'est une mécanique que je reprends un peu de Bengayo, ça. Et donc, tir en cloche au-dessus du mur. Ah, je peux passer. Bon, mais c'est sympathique de ramper. Mais faire des glissades, c'est plus rapide. Donc maintenant, je peux faire des petites glissades pour aller plus vite. Attendez. Bonjour Kaijungo. C'est magnifique ce que vous voyez, ben, merci. Ça, c'est de la cloche. Ah oui, ben, je l'ai soignée, hein, cette cloche. Est-ce qu'il y a des boss vraiment gros? Ben, j'espère qu'il y en aura. C'est l'idée, je pense qu'il y en aura, oui. Saut sur les murs. Eh oui, Wenzelderzel a compris le level design. Comment? Alors, allons chercher cette boule violette. Et nous avons maintenant le saut sur les murs. Donc. Nous allons pouvoir monter. Donc nous voilà en haut. Un petit cœur en plus en passant. Et oh, mon saut est beaucoup trop faible. Je ne vais pas assez loin. Et je ne saute que de deux cases de haut pour le moment. Grâce à ma petite queue, je peux un petit peu voler. Je ne voulais pas faire de double saut. C'est plus un amorti de saut qui aide à monter un petit peu. Je déteste la mécanique des doubles sauts quand elle n'est pas justifiée. C'est donc impossible. Et non, regardez, c'est bon. Donc je vais pouvoir passer ce trou. Et ce trou est bien plus grand. Je ne peux plus passer non plus. Même en faisant des rebonds sur les murs. Alors on va prendre cette compétence qui est la course. Je peux maintenant courir et faire des sauts plus haut. De base, et je peux cumuler avec le double saut. Donc, prenons notre élan, sautons. Voilà. Ici, c'est une compétence un peu annexe qui arrivera un peu plus tard. C'est l'esquive. On peut faire un petit saut en arrière quand on est par terre, quand on est accroupi. Elle permet, pour le moment, elle permet de passer dans des endroits comme ça, parce que là je ne peux pas passer. Trop petit. Elle permet de faire un saut arrière et de tomber, de rentrer dans des petits trous en marche arrière. Bon, je vais trouver ça pour le moment, je ne sais pas. Alors attendez, je vous lis. Naruto Run, exactement. Je me suis dit que c'est ce qui plaisait aux enfants d'aujourd'hui. Tails à l'envers, un petit peu, oui. Elle est toujours justifiée quand on joue un ninja, le double saut. Merci pour oui, l'anime de la queue, merci. 3 frames, je suis assez content parce que j'avais peur de galérer à la faire et je l'ai faite très vite. Un vrai hipster de la pop culture. Ah, c'est un truc hipster, Naruto? Alors, j'ai les coups de poing, mais je ne peux pas taper en haut. Donc, je prends ce bonus qui me permet de faire un petit coup vers le haut, un Dragon Punch, qui permet de casser ses murs.
Alors attendez, je vous lis. Un malus où on attrape des caries, ça mange trop de bonbons. Dis donc, bonne idée. Ça va être chaud le soir hier. Ben non, regardez. Je le fais, hein. Pas très dur. Non, mais après, là, l'idée du petit trou comme ça, je sais pas si j'exploiterai, parce que j'ai pas encore fait toutes les features de contrôle. Vous avez un sourire collé depuis 10 minutes. Ah, bah, je suis content. Il y a ces gros blocs là depuis tout à l'heure que je ne peux pas casser, mais qui sont cassables, on le voit, ils sont fissurés. J'ai chopé un bonus qui me permet de faire un dash pour casser les plus gros blocs. Voilà. C'est déjà pratique, donc j'ai pu avancer jusque-là. Il y a cette zone rose un peu chelou ici. Le truc du dash, c'est que je ne peux pas le faire en l'air pour le moment. Donc là, je vais débloquer le dash aérien. Permet d'aller ici, mais pour en sortir, c'est un peu relou. Ah, c'est bon. Ça mange des sardines, les chats. Oui, si c'est faire, j'ai pensé aux sardines après. En fait, au début, j'ai vraiment fait des bonbons. C'était le placeholder. Je dis, en même temps, des bonbons, c'est hyper bébé. J'aime bien l'idée des bonbons, malgré tout. Les croquettes, ce qui m'embête avec les croquettes, c'est que ce serait marron. Alors, à chaque fois, il faudrait trouver un truc pour les rendre quand même attrayantes. Les sardines, c'est pas mal. Mais les sardines, je me dis que ça peut être un. Il n'y a pas encore les bonus type invincibilité, etc. Donc, je pense que les sardines, ça pourrait être. Dash ta vie. C'est une comédie musicale. Ah oui, danse ta vie. Non, si. Ah, j'ai peut-être pas la ref. Des messages à caractère éducationnel, ah, pas bête. Ou les maîtres de l'univers. Les bonbons sardines, ça peut être un mix. Il n'y aura pas qu'un seul bonus dans le jeu, donc on verra. Donc, j'ai le dash aérien maintenant, donc je vais pouvoir repartir en arrière et choper ce bonus, qui est le bonus qui va me permettre d'utiliser la zone rose là-haut. Qui me permet de m'accrocher comme ça. Alors pour le moment, je ne peux pas encore tirer quand je suis là. Je pense que je vais quand même autoriser les tirs en cloche depuis les murs, depuis les plafonds. Je vais péter le mur. S'il y a un bonus que je ne peux pas encore prendre, parce que je n'ai pas d'attaque vers le sol, à part le saut qui permet de tuer les ennemis hein, quand même. Bien sûr, Gaillette. J'avais commencé à les implémenter, mais ça buguait. J'avais un truc qui rentrait dans une boucle infinie. Et du coup, j'ai laissé tomber pour cette démo. J'explique à la voix, mais bien sûr, il y aura un truc machin acquis. Machin. Je fais tomber ce petit mur de métal pour pouvoir grimper dessus. Je prends ce bonus. Toujours ce bloc vers le bas qui bloque. Hein. Donc, on va aller chercher ce bonus ici, qui est je l'appelle ça le stomp, qui est un truc pour faire un écrasement. On peut le faire dans trois directions, en diagonale, vers le bas. Donc, si je vais là, évidemment, je peux. Ah, qu'est-ce que je fais? Je peux faire ce petit truc et. Oh, mais c'est beaucoup trop. Ici, je ne peux pas y aller. C'est du 4 cours, c'est ça. Donc, on va aller chercher le bonus que j'ai laissé là-bas tout à l'heure. Et à présent, j'ai un très grand saut vertical. Essentiellement vertical. Je peux le rattraper avec un petit coup de queue. Mais sinon. C'est pas un sauvet horizontal quoi. Je vais choper ça du coup. Et voilà Rabizoudouk. Voilà. Un coup de cul pour casser des briques. Rabizoudouk que je peux évidemment cogner. Est-ce que vous voulez que je tape Rabizoudouk?
Oui. Sacré boulot, merci. 2 semaines, hein. Merci, monsieur Exos. Défoncez-le. Je peux pas le tuer. Je lui ai mis plein de vie. Mais on peut s'amuser à le taper comme un con. Ça me permet de tester les collisions. Parce que ça permet de voir vous voyez, il prend les pentes, etc. Enfin, tout se passe bien, quoi. Il y a quelques bugs encore de collision que je dois améliorer. Mais voilà. Voilà à peu près la logique que j'ai mis en place pour le moment. Il manque des. Alors, qu'est-ce que vous racontez, pardon? Il faudrait lui tirer sur le nez. Il y a des gros outils qui ont des caries, c'est vrai. J'ai pas, j'ai pas, c'est, bon, il avait déjà un peu des grosses joues dans le lore de la chaîne. Par rapport aux persos qu'on connaît sur la chaîne, exactement. Alors, Gordolexos, je sais que vous m'aviez confié l'idée de faire un jeu un peu ambiance Master System. Je me rends compte que c'est un peu ce que j'ai fait malgré moi. Mais en fait, voilà, si je fais ce jeu, c'est parce que, à force de tester plein de jeux sur cette chaîne, ça m'a redonné envie de faire un petit jeu d'action. C'est mieux fait que Bubu. Un petit peu mieux fait que Bubu. Faites-lui vous laisser dans. Ah, vous le détestez, ça y est. Je vous propose éventuellement de refaire tout le parcours rapidement, mais en ayant activé tous les bonus pour que vous ayez une petite sensation de. Parce que mon objectif, c'est de faire un jeu quand même où on est ce truc au début d'être tout faiblard et de plus en plus être ultra vénère, un peu à la manière de Zorbier. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir ce feeling de pouvoir repasser dans des niveaux. Alors, ce ne sera pas un Metroidvania. Mais de pouvoir repasser dans les niveaux, malgré tout. Avec la sensation qu'on peut aller ultra vite. Multijoueur, je pense pas pour le moment. Echo 75FR, j'aimerais bien. Mais c'est 10 fois plus de galère, je pense, le multijoueur. Donc, je vais déjà faire un bon jeu. Non, non, non. Pas un open world. Je vais vous expliquer après la structure du jeu. Mais ce sera pas un open world. Donc là, j'ai débloqué tous les bonus dès le début. Et si je fonce, on va sentir la différence pour terminer le niveau. Bon, en plus, je ne vous raconte pas. Oh merde, je fais n'importe quoi. Je ne. J'explique pas tout ce que je fais, hein, pas besoin. Ça permet de voir qu'on a des contrôles assez fluides. Et un peu speed. Pas besoin de péter le mur ici. Hop. Hop. Et voilà. Eh bien, merci Gaïette. J'ai vraiment cherché à faire un truc le plus fluide possible, mais voilà. Pour moi, il manque encore des choses hein, dans le jeu. Wario GBA, évidemment, Gordolexos, un petit peu. C'est l'histoire, le truc du dash, c'est un peu ça. Je pense qu'il manque encore un peu de retour sur certains trucs. Notamment quand on pète un gros mur, je pense que j'utiliserai malgré tout un petit shake screen parce que je sais que. Enfin, moi, j'aime pas les shake screens, mais il y en aura peut-être un pour ce genre de truc, je suis ok. Et c'est 2 semaines de boulot, et en fait, j'ai découvert. C'est fait avec Pixel Game Maker MV, qui est une sorte d'héritier de RPG Maker, mais fait pour les jeux d'action et jeux 2D. Vu de dessus ou de profil, qui est ultra puissant en fait. Hyper malin et hyper puissant.
Et du coup, j'ai appris le logiciel et fait tout ça là, dans les 2 semaines. Alors, je pense qu'après, il y a des choses qui sont peut-être pas faites de manière très optimum. Je cleanerai mon système plus tard. René n'est plus, non. Et je pense que je rendrai hommage à René dans ce jeu, vu que René était un chat et que c'est un jeu avec un chat. Mais donc oui, non, pas, ce n'est pas Orbi 2. J'en aurais parlé à Gordolexos si j'avais fait. Oui, RIP René. J'en aurais parlé évidemment à Gordolexos si j'avais fait Zorbier 2. En revanche, philosophiquement, c'est pour moi un retour à ce truc. Je sais à peu près où je vais avec le jeu. Je sais à peu près le nombre de niveaux qu'il y aura. Je connais la structure globale du jeu. En fait, ça va être un. Est-ce que vous voulez que je vous raconte un peu l'histoire du jeu? Non, il n'y aura pas vraiment. J'ai pas d'histoire en tête, parce qu'on va en parler après. J'ai pas encore d'histoire en tête, mais. L'idée, en fait, c'est de faire un jeu. Dans lequel. Je pense qu'il y aura une éclipse dans le jeu. Et dans chaque niveau, à chaque fois qu'on avance, l'éclipse avancera. Et au moment de l'éclipse. Après l'éclipse, ce sera pas, il n'y aura pas un temps qui s'écoule. Hein. Mais on arrivera à la fin du troisième niveau et on sera renvoyé à chaque fois au premier niveau, comme une sorte de retour dans le temps. Mais avec tous nos pouvoirs qu'on a acquis pour passer par des embranchements différents. Ce sera un jeu linéaire, en fait, sauf qu'on sera renvoyé régulièrement en arrière pour débloquer des passages différents. Donc en fait, il faut juste imaginer une carte de Castlevania ou de Metroid. Où à la fin du troisième niveau, il y a un téléporteur qui ramène au début et qui fait accéder à d'autres zones. Comme ça permet de faire un jeu avec ce petit feeling de on débloque des power-up. Est-ce que vous dites, vous pouvez mettre des canettes pourries et des poubelles dans les corps? Oui, évidemment. La poubelle, le jeu va démarrer dans une décharge. Et Eclipse sortira d'une poubelle. Et je pense qu'il sortira d'une poubelle de peut-être dans tous les niveaux. J'ai envie qu'il y ait ce truc. J'ai envie d'un héros qui sort d'une poubelle. Du coup, ça permet de cadrer quand même, d'avoir, je sais pas, entre 10 et 15 niveaux. Je pense, à peu près. Un rythme assez soutenu aussi, j'aimerais bien. J'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de boss, évidemment. Après voilà, là j'ai fait que le gameplay de base. Le plus complexe dans un jeu comme ça, c'est quand même de faire les comportements ennemis. C'est-à-dire que les comportements ennemis fonctionnent bien. Typiquement là, je pense qu'il me manque les entrechats, oui, exactement. Et il manque pour Eclipse, là, dans les contrôles de départ, il faut que je développe des trucs un peu. Que je fasse le fait de pouvoir grimper à des échelles ou à des cordes ou des trucs à l'arrière-plan façon Megaman. J'aimerais bien aussi faire un gameplay aquatique où on puisse nager ou non sous l'eau. J'aimerais bien aussi rajouter un tir chargé avec une grosse balle de baseball qui consommerait genre 5 balles de baseball. Et qui ferait des rebonds sur les murs. Du coup, un tir orienté. Faire le niveau des égouts. Et Monsieur Exos, vous me tendez une perche pour la suite. En fait, ce que je voudrais faire avec ce jeu, c'est faire le jeu de plateforme 1 million, en fait, plutôt. C'est plutôt que 1.0. Et essayer de faire le jeu de plateforme ultra classique. Avec tous les clichés des niveaux et machin, sauf que on le fait on essaie de le faire le mieux possible, quoi. Et évidemment, on restera pas que sur le truc du 1.1 million, parce que je sais que je vais avoir envie de mettre des trucs un peu bizarros, n'importe quoi, et qu'au final le jeu va dérailler à un moment. Et d'ailleurs, je compte un peu sur vous.
en fait, parce que c'est ça le projet secret. Le projet secret, c'est que je vais vous faire participer. Gâteau, musique, tous ces trucs qu'on a vus si mal faits ailleurs. Essayer de trouver le truc qui fait que, oui, non, en fait, les gâteaux et le niveau de la musique, ça peut être vraiment bien. Donc, dans mon idée, vous allez participer. Je vais faire des lives où je travaillerai dessus. Vous pouvez me regarder travailler dessus. Et surtout, vous pourrez donner des idées. Par exemple, voyons. Va passer sur ça. Je sais. Alors, vous êtes là. Ouais, est-ce que vous me voyez? Obligé que ça déraille, évidemment. Si vous voulez m'envoyer des dessins de bonhommes que vous voulez voir dans le jeu, des idées d'ennemis, des. Le, je pense que le cœur du gameplay, c'est beaucoup moi qui vais le faire. Parce qu'il n'y a que moi pour malaxer le truc à fond et dire ah non, il manque ça, il manque ça. Après, si vous avez des idées de ah, ce serait bien que, évidemment, je vous ferai tester le jeu. D'ailleurs, je pourrais vous l'envoyer juste après ce live si vous voulez. Que vous venez de voir. Bah oui, mon but c'est quand même de. Parce que vous allez me servir de moteur, monsieur Exos. Donc c'est pour ça que c'est sympa et ça me permet aussi de me maintenir dans le truc. Cela dit, je suis ultra motivé. Hein. Est-ce que vous pouvez faire des voix? Évidemment que vous pouvez faire des voix. Ah oui, parce que j'aime bien avoir plein de voix dans les jeux. Donc il y aura une voix par ennemi. Chacun pourra mettre une voix sur un ennemi s'il veut. Donc par exemple, monsieur Exos, on va déjà noter. Dans votre case des idées, D. Voilà, là il y a déjà la première idée de ce Exos. On peut faire des skins pour le héros. On peut faire des skins, mais je vais pas trop aller là-dedans pour le moment. Kaijungo, par exemple, j'ai en tête de. J'ai un peu envie quand même que dans le jeu, à un moment, il y ait des. Il y ait peut-être un niveau en rendu 3D façon Donkey Kong Country. Ben là, peut-être que je vous ferai contribuer un peu, puisque je sais que vous avez un peu. Comme Ubisoft que vous aimez. C'est le meilleur. Les canettes pourries. Wenzel, Derzel. Canettes. On développera plus tard, mais pour moi, les canettes pourries, on trébuche dessus. Elles sont plantées dans le sol et on trébuche dessus, non? Peut-être bien. Que ce soit un. Si après, on peut avoir des idées de décor et tout ça, c'est super, mais. Mais des idées de gameplay aussi. Ma tête en haut à droite pour faire des commentaires. Ça peut. Attendez. Est-ce qu'on en fait un jeu méta en fait? On va se questionner en fait. Est-ce qu'on fait le faire est-ce que si ça devient un jeu méta, on perd peut-être la vibe du jeu 1.1 million. Du jeu de plateforme 1.1 million. 1.1 million ou 1.1 000, je sais plus. Il faut pas avoir. Alors. Tête de Zolotrex qui commente. Ça peut être une sorte de personnage dieu bizarre hein, qui pop de temps en temps. Alors si je rate des trucs, vous en faites pas, je vais re-regarder le live et je relirai tout ce que vous avez écrit. Hein. S'il y a eu des idées, je vais tout renoter après. Hein. Il faudrait une mort à la Alex Kidd, mais tu peux jouer un peu en mode ange. Alors, pardon. C'est vrai que j'ai pas montré la mort. Elle est suicidée.
Attendez, je vous remets sur le jeu, pardon, excusez-moi. En tout cas, je fonctionne beaucoup avec des blocs fonctionnels. Comme vous voyez là, il y a les blocs qui s'effondrent sous les pieds, les blocs explosifs, les blocs qui tombent. Les blocs explosifs font exploser les blocs marrons basiques. Et ce genre de trucs comme ça, je vais essayer d'en trouver plusieurs. Donc, suicidons-nous. Donc, mort à Alex Kidd, hein, Gord of Exos, c'est déjà là. Mais c'est vrai que faire un gameplay derrière. Bon, je vais peut-être pas noter là tout en direct. Hein. Mais un gameplay sur la mort, ça peut être marrant. Ça va finir comme Star Citizen. Non, non, je vais veiller à cadrer au maximum. Il faut un skateboard. Oui, j'ai récupéré, j'ai oublié de dire, mais j'y avais pensé au skateboard. Après, pour tout vous avouer, le début du jeu, moi je voulais que ça démarre dans une décharge, et j'ai réfléchi longuement à cette idée, et ça va expliquer ce que je veux dire sur le skateboard. Je voulais la skyline de New York à l'horizon. Et je me demandais, est-ce que je mets les Twin Towers ou est-ce que je mets la nouvelle tour là? Et je pense que je mets la nouvelle tour. Parce que c'est quand même un jeu de 2022. C'est pas un jeu des années 80. Les 7 vies du chat. Alors comment exploiter cette vie du chat? J'y ai pensé en plus de mettre 7 vies au joueur et que genre faut finir le jeu avec 7 vies. Je ne sais pas du tout si par exemple il y aura une sauvegarde, s'il faut faire le jeu d'une traite. J'ai pas trop stipulé sur ça encore. Mais ça pourrait être une contrainte forte du jeu qui. C'est 9 vies d'ailleurs, non? 7 ou 9? Et qui taunte un peu le joueur, pas terrible, pas par là. Ah oui, carrément. Carrément, bien sûr, évidemment. Monsieur Exos, je suis pour. Ce genre de blague un peu. Ah oui, c'est vrai que j'utilise pas du tout le miaou du chat. J'utilise pas trop les griffes. J'ai opté pour le coup de poing. Parce que c'est plus lisible. Il utilise juste son. Pendant le stomp, il donne des. Il atterrit un peu sur ses griffes, mais sinon. Une fin en fonction du nombre de vies. Il n'y avait pas eu ça dans un des jeux qu'on avait testé. Il y a un jeu comme ça qui. Ah non, c'était Marino dans Game Center CX qui testait un jeu comme ça, je crois. Attendez, je le relance. Bonjour Bambi Fontaine. Voilà, vous avez raté, mais je vais relancer. Voilà, l'idée c'est que je développe un jeu depuis 2 semaines et que vous allez travailler dessus. Non, vous n'allez pas travailler dessus. Enfin, si, si vous voulez. Mais j'ai pas envie que vous soyez mes esclaves non plus. Hein. Je vais quand même être le. Vous êtes déjà sur Polygone? Bonjour. Alors attendez. J'ai raté. Il faut pouvoir m'aider, ça servira à rien. Sinon, ça peut effectivement juste servir à rien. C'est vrai que c'est une bonne idée aussi. Comme quand on est content d'avoir le klaxon dans les jeux de voiture, même si ça sert à rien. Donc Bambi Fontaine, je vous refais une version accélérée du truc. Hein. Là, j'ai tous mes power-up au maximum, donc je peux faire tous mes mouvements. Et effectivement, hein, il y a un petit feeling ninja qui se développe progressivement. Ça, je suis assez content. Je suis assez content, on a une petite sensation perso assez agile, quoi. À la fin, quand on commence à avoir tous les.
Les cinématiques en FMV en live. Ah, ça c'est des idées presque trop méta. Est-ce qu'on reste. Oh. Ah oui, pardon, mais je termine la démo pour Bambi Fontaine. Et on arrive à la fin du niveau. Avec Rabizodouk. Que voilà, qu'on peut taper. Un des pouvoirs, c'est tirer le nez des autres personnes. Qui s'allonge comme un élastique quand il relâche le perso des cases et blocs, par exemple. Ah, c'est chaud à faire ça aussi. Ça va être très très dur parce que ça demande des collisions ultra spécifiques. On peut envisager un ennemi qui fait vraiment que ça, par contre. Et que ce soit pas un pouvoir, que ce soit peut-être un truc. C'est vrai qu'il n'y a pas de shop, il n'y a pas de truc pour attraper les ennemis. Donc ça peut. Des animations de wait en quantité infinie, évidemment, au Dosphère. J'y songe, là, je l'ai pas fait parce que ça demandait de casser mon système de trucs qui est déjà bien complexe, je peux vous montrer. En fait, c'est un système de. C'est ça le soft. Donc là, il y a mes animes. Ces animes de Eclipse avec ses boîtes de collision, blabla. Et ça, tout ça, ici c'est un bon bordel. Et tout ça, c'est ses comportements en fait. Avec là, il est en comportement stop. Et puis de stop, il peut s'accroupir, sauter, tomber, ce genre de choses. Qu'est-ce que vous apprenez? Comme le jeu de Treasure avec les nichons. Oui, c'est vrai. Quand on ramasse le power-up, une vulnérabilité, le héros se change en charret à hémiste. Un peu plus grand. Bah, ça va être chaud parce que si, si faut refaire tout son moveset avec des photos de chats. Enfin, pas des photos, mais hein, des. Oh, c'est du taf quand même, hein, parce que là, les animes sont quand même extrêmement pensés pour. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, le faire se transformer en chat réaliste, j'aime bien l'idée. Donc, je la noterai, mais peut-être pas pour faire tout un moveset, quoi. Peut-être dans les stages bonus, ou des phases comme ça. Comme si les stages bonus étaient un peu. Une sorte de fantasme bizarre, ou comme si le jeu lui était. Je sais pas. Et si j'avais peur, c'était votre idée. Pardon. Voilà, j'ai lu, hein, j'ai lu. Je le ferai, faites pas chier, ok. Oui, c'est vrai que vous êtes censé travailler sur votre peinture de vaisseau et de bagnole. Il faudrait que The Trex fasse un live avec ce jeu, le jeu des nichons. Ouais, j'ai jamais réussi à aller loin, j'ai jamais bien compris Hippalinda. Fricon, ou je sais plus le nom américain. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Non, bah oui, voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette énergie sur un jeu là. Disons que je reconnais un peu la frénésie de développement que j'ai eue sur Zorbier. En tout cas, je sais pas à quel rythme ça ira, les lives où on fait le jeu. Ce sera des lives du coup plutôt de soirée de plusieurs heures. Sachez que ce live va être viré directement de. Il va pas rester sur Twitch, je vais le supprimer après ce live. Ceux qui ont raté le début pourraient vous envoyer un lien.
avec la vidéo. Si vous voulez revoir le début et ce que j'ai raconté, je vous demanderai de ne pas trop en parler en dehors des lives où on développe le jeu, car c'est un projet secret toujours. Une ligne de stand où il se lèche le trou de balle. Ça peut se faire, ça. Ça peut se faire. Oui, il y aura des animes de stand. J'essaie d'être quand même assez économe en termes de frame, mais en même temps, c'est du pixel. Hein. Il faut attendre au moins 5 minutes. Petit et mignon, genre Titi ou Jerry. Ah mais carrément, Jerry Perrin, évidemment. Tom et Grosminet. Et oui, je suis d'accord avec ça. Peut-être même pas un boss, hein, d'ailleurs. Si ça peut être un boss. Son brin tort à Rasta rigolo. Pourquoi pas? C'est exactement pour ça que j'ai besoin de vous, je crois, sur ce jeu. Juste, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, ceux qui sont sur PC, je peux vous envoyer une version du jeu, de cette version-là, ce que vous voyez là. Faut pas la partager, hein, vous vous doutez. Vous avez tweeté, Bambi Fontaine. Aïe, 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 aïe. Je vais me faire cancel par Twitter. Car j'ai des secrets. Oui, les chats réalistes qui se baladent, ouais, ça peut être aussi une option annexe à l'idée de Jérémy Perrin. La démo que je peux vous envoyer. Bon, je vous réexpliquerai en vous l'envoyant, mais moi j'ai fait les contrôles pour le moment pour le pad PlayStation PS4. Il est jouable au clavier sur une manette Xbox, mais la manette Xbox, putain, les boutons ils sont placés bizarrement, la croix de direction elle est placée bizarrement, du coup c'est moins agréable. Je vous ferai un petit topo des contrôles rapido. Pour que vous me fassiez des retours tout de suite. Je pense qu'on est plutôt bien à niveau contrôle. J'ai des bugs là, par exemple, j'ai perdu tous mes cœurs d'un coup sur les explosions, c'est pas normal. Moi en tout cas, je vais continuer à développer des trucs du style mouvement spécifique, genre les échelles, se déplacer dans l'eau, des trucs hyper génériques, type invincibilité pendant 20 secondes, ce genre de choses. Avant de vraiment commencer à implémenter des vraies idées de jeu et tout ça et de niveau, même si je pourrais commencer à faire des niveaux là. Mais je préfère quand même avoir mes contrôles à 100%. Donc je sais pas quand ce sera la prochaine émission sur le jeu. Ça va être en fonction de mes avancées et des trucs où je me dis bon bah là je vais pouvoir bosser et parler avec les gens. En faisant tel truc bien spécifique, par exemple. Ah, je vais faire ce comportement d'ennemi ou quelque chose comme ça. Allez, la démo. Bien, merci, Wenzel Derzel. Ah, vous partez. Eh bien, au revoir. Eclipse, un petit kien. Un petit basset, minuscule. Qui le tire hyper vite. Un petit carré. Ah, vous voulez tous qu'il y ait du réalisme dans le jeu. Au final, on va faire un jeu en photo digitalisé. Voilà. Est-ce qu'on va pouvoir s'arrêter? Oh, on va aller revoir Rabizoudouk pour l'écran de fin. N'hésitez pas, en tout cas de votre côté, à noter hein, vos idées. Peut-être, vu que ça foisonne, les idées, là, je pense qu'en vous disant ça, je me fous dans la merde avec
un milliard de trucs à développer pour faire plaisir à tout le monde, ce qui peut être vraiment marrant. Moi, j'ai vraiment envie de bosser comme ça, mais on verra si, s'il y a des idées qui se recoupent. On fera des choix ensemble de non, c'est ça qui est le plus important. Et peut-être qu'à bout d'un moment, on se dira, bon, en fait, il faudra savoir s'arrêter. Donc peut-être qu'on se dira, on essaiera de faire des idées d'un peu tout le monde. Donc si je fais une idée de l'un, je fais une idée de l'autre. Avoir une part assez équitable pour tout le monde. Donc si quelqu'un est en retard d'idées, peut-être mettre en priorité, etc. Voilà. Je vais essayer d'être un peu équitable. Me semble un peu logique. Je ne sais pas du tout comment ça se passera de développer. Ah mais merde. Ah oui, non, d'accord, j'étais sur le. C'est pas très grave. Il y avait l'interface derrière et tout. Alors, hop. Quelle est la relation entre ce chat et le lapin? Eh bien, si vous voulez développer le lore, ça peut faire partie des idées. Hein, Évidemment, en tout cas, il faut un kia, au moins en boss. Il y aura forcément une sorte de bulldog, pareil, des cartoons, quoi. Un chien au comportement et aux proportions réalistes, ouais. Ça me va aussi. On peut avoir des grappins dans le jeu. Alors, ça serait cool. Risque d'être chaud à développer. J'attends de voir. C'est une feature qui serait chaud à faire, je pense. En tout cas, de ce que j'arrive à faire avec le moteur pour le moment, c'est pas pour tout de suite, on va dire. Ça veut dire avoir des. Ouais, c'est de la physique un peu complexe là, et je suis pas sûr que le moteur soit fait pour ça. Lisez votre idée. Oui, Mikaouna, il faut croiser Bruno, qui est devenu un loubard de légende. C'est un grand sage encore. Alors, j'avais évidemment envie de mettre Mouz, vu que vous me l'aviez déjà beaucoup réclamé pour l'habillage de la chaîne. Donc, j'avais évidemment envie de mettre Mouz, puisque c'est une souris. Chat, souris, Mouz, forcément. Et Bruno, c'est vrai que ça va être un jeu à l'or. Alors Pont-à-Marc, je crois. Un grappin comme Rayman. Ah bah non, alors on met pas de grappin. Interdit. Voilà. Bon, je suis très content de vous avoir montré ça. Je suis très content de faire ce jeu. Ça pourrait être le grand méchant Mouz. Je ne sais pas s'il faut que les méchants ce soient des souris. Ben c'est ça, c'est un truc sur lequel faudra se mettre d'accord. C'est quoi le méchant de base? C'est pratique d'avoir un méchant de base dans un jeu comme ça. Avoir un. Comme dans Metal Slug, c'est un militaire générique. Voilà, avoir un méchant qui a plein de variations de comportement. Ça permet de faire des comportements un peu pour moins cher en termes de prod. Il faut peut-être réfléchir comme ça. Et du coup, quel est le méchant? Ça peut être. Après, on aura des ennemis différents, mais. Un gros barbu qui joue au foot. Ouais, c'est Barbu Soccer aussi dans le jeu. Est-ce que ça peut être des humains, hein? Une organisation? Une organisation d'humains? Ok, des chewing-gums aussi quand même, je pense, à un moment. Enfin, ça peut être dans ces animes d'attente, quand il fait rien, il va gonfler une bulle de chewing-gum, c'est évident. Les coqueluches, oui, les coqueluches, évidemment, les coqueluches. Je m'étonne que Monsieur Exos ne l'ait pas déjà dit, mais oui, il y aura des coqueluches. Et les coqueluches, parce qu'on avait déjà évoqué un scénar ou ambiance.
l'ami extraterrestre de Eclipse qui vient sur Terre, qui est un peu badass, enfin c'est un peu le Knuckle de la bande, quoi, l'ami extraterrestre, qui vient parce qu'il a des soucis, un peu le scénar de Tiny Toon sur PS2, en fait. Peut-être quelque chose comme ça, et les Coqlus seraient une sorte de truc un peu... Les Coqlus sont les ennemis, très bien. Donc les viewers Twitch sont les ennemis, hein. Ça veut dire ça, hein, parce que sur la chaîne, les spectateurs de ma chaîne sont les Coqlus. En même temps, si c'est vous qui avez les idées de Coqlus, c'est logique que ce qui s'appelle les Coqlus. Prévient l'arrivée de King Coqlus, qui peut être Mouse King Coqlus. Après, il n'y a pas de... N'oubliez pas fourrer toutes les idées tout de suite. Non, mais déjà, je vais relire tout ce que vous avez écrit et je vais tout noter. Hein. Voilà. Bon, là, j'ai 2 semaines. J'ai avancé très vite parce que j'ai eu 1 semaine de vacances où je n'ai fait que ça. En bossant 10 heures par jour et en fumant comme un taré. J'étais assez obsessionnel. C'est un twist de fin, exactement. Et du coup, ça avancera peut-être pas aussi vénère tout le temps. J'aimerais bien, moi, que dans l'année, ça ait avancé, quoi. Qu'on commence à avoir quelque chose d'assez sérieux. En tout cas, je sais que l'outil que j'utilise a un export Switch et un export PC pour le moment. Peut-être que plus tard, ils feront des exports, mais s'il y a un export PC, généralement, ça peut être porté sur d'autres machines. Voilà. Cyber Molière. Oh, faut qu'il y ait un perso Molière, évidemment. Un niveau dans une école. Bonne idée, ça. Dans une école. Après, je me dis, je ferais bien dans la structure du jeu. Donc, je vous ai dit un système de boucle où on revient au début. Dans la structure du jeu, je ferais bien des niveaux optionnels. Des niveaux un peu hardcore optionnels. Façon. Bayonetta, les sortes de challenge à la Bayonetta, et c'est peut-être là-dedans qu'on pourra injecter les niveaux gâteaux, les niveaux notes de musique, etc. Je sais pas, en tout cas, ce sera des endroits où on pourra faire peut-être des trucs un peu plus. Qui ne sont pas dans la continuité, peut-être des décors, parce que j'aimerais bien quand même qu'il y ait le feeling de progression graphique et de. Qu'on passe pas de la ville à dans les bois. Il y aura évidemment un niveau dans les bois. Ou alors dans les bois, ce sera Central Park. D'ailleurs, est-ce que ça se passe vraiment à New York? Moi, j'aime bien l'idée de faire un jeu qui se passe à New York. Mais ça peut être autre chose après. Le niveau de Pâques, évidemment. Évidemment, le niveau de Pâques. C'est une sorte de... C'est pas mal parce que c'est un petit twist au niveau des bonbons. Et ça mixe avec le niveau Noël, un peu, c'est ambiance festive. Avec le niveau de chat, basé sur le jeu de chat qu'on avait fait. Le niveau de chat qu'on avait fait, quel jeu de chat qu'on avait fait? Ah, le... Allez, Cat. Oui, j'y ai pensé à Allez, Cat. Parce qu'il y avait Magical Cat aussi. Oui, un truc à Allez, Cat, ouais, ça peut être marrant. Des mémés agressives. Oui, comme dans Street Hustle. Un niveau bonus hommage à ce jeu. Ouais, on va y aller. Bien vu. Voilà. Et après, on voit est-ce que. Il faudra un plan global de tous les niveaux qu'on sait qu'on va traverser. Et après, je pense que là-dessus, on injectera des sortes de mini-embranchements rigolos, des stages bonus bizarros et des trucs un peu... Eh, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est Allez 4, j'ai hyper. Bref. N'en parlons plus, gardons le secret à partir de maintenant.
Est-ce qu'il y aurait une carte du monde? Ça peut. J'y ai songé. Est-ce que c'est... ça peut être bien d'avoir une sensation de pouvoir se repérer. Un doc partagé peut y mettre les idées. Pour le moment, je vais pas trop faire comme ça. Peut-être plus tard. Et un tracker de milestone, non. Mes milestones, ça va être. Je vais essayer d'être au moins un live sur le jeu par mois. Ce serait pas mal. Et parce que ça me provoque. Là, par exemple, j'ai perdu pas mal de temps sur ces 2 semaines à quand même faire les graphes, les décors et tout pour vous présenter quelque chose. La réalité, c'est que mon gameplay, même si je l'ai continué à l'affiner doucement sur la 2e semaine, mais mon gameplay global, je l'avais en 1 semaine, là, ce que vous avez vu, ce qui se joue là. J'ai corrigé des bugs la 2e semaine et j'ai mis au propre et fait des décors. Les décors, en même temps, je les ai fait en une soirée, je pense. Bref, gardez le secret. On va continuer à jouer à des jeux sur cette chaîne pour s'inspirer, pour trouver des bonnes idées. Quand on gratte le sol, oui, c'est le truc de gratter le sol, c'est un truc. Bon, il y a un peu le stomp qui fait un peu ce taf, mais c'est vrai que creuser, pas mal. Je vais le noter. Merci, Xico75FR. En plus, vous savez que quand j'ai fait Rabizoudou, que vous aviez dit, vous devriez plus faire ça. Du coup, je me suis dit, ah, ça fera plaisir à Xico75FR de pouvoir suivre un truc comme ça. Et oui, je reste dans les clous. Non, mais c'est parce que là, pour ce soir, j'ai pas plus. Et j'ai pas envie de développer là ce soir. Ce serait trop compliqué de continuer le live sur du développement. Donc voilà. Ah non, mais vous. Je pense que vous ne mesurez pas comme cette chaîne va alimenter ce jeu et comme elle revitalise mon désir de faire des jeux vidéo. D'action. Notamment, je vois hein, avec cet outil, je peux faire d'autres jeux. Hein. Je peux faire des shoot'em up si je veux. Il y aura un niveau shoot'em up. Évidemment, il y aura un niveau shoot'em up. On n'en a pas parlé encore, mais il y a toujours des niveaux shoot'em up dans ces jeux-là. En tout cas, on se dit. Merci Bambi Fontaine. On se dit à vendredi pour jeu. Et je vous dis au revoir. Ah oui, pardon. Et ceux qui. Il faudra un clapet dans le jeu. Ceux qui veulent le jeu, vous m'écrivez en privé. Version PC, hein, donc Mac, ça marche pas. Au revoir.